you very much for watching this video. For your edification or more informations, we invite you to our website www.ecomchurch.org, Facebook page, or subscribe to our YouTube channel for more sermons from the man of God, the Reverend Pastor Caleb Buna. And if you are visiting Raleigh, North Carolina, please join us in our Sunday morning church service from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. at 5824 McPines Place, Raleigh, NC 27616. May God bless you abundantly, and glory to the Almighty God. Nous recevons de la vie au travers des choses que nous traversons. I can tell somebody, je veux dire à une personne, who you are today, qui tu es aujourd'hui, may not be who you were when you back home, way back home. C'est que tu étais quand tu es trop here you are learning how to organize your time. Ici tu apprends comment organiser ton temps. Here you know that time is money. Ici tu apprends que le temps est l'argent. Here you are learning how to schedule things. Ici tu apprends comment programmer les choses. Here you are learning what they call bills. Ici tu apprends comment on appelle les factures. Here you are learning that you have to wake up, you have to schedule this. Here you learn that. Tu te réveilles, toi, programmer ceci. You don't wait for things to come to you. Tu attends les choses pour arriver vers toi. You go after things. Tu vas après. Here you learn that you don't wait things to happen. Ici tu comprends les choses qui vont arriver. But you make things happen. Tu fais arriver les choses. Can somebody say amen? Amen. Here you learn how to make things happen. Ici tu apprends comment faire arriver les choses. Because some people ask what happened. Parce que les gens demandent qu'est-ce qui est arrivé. Some people they're making them happen. Don't be among those who ask what happened. Be among those who make things happen. Communication. Between people. Parmi les gens. As the blood in the body. Comme le sang dans le corps. So is communication. Et de la même manière, la communication. In the friendship. Dans l'amitié. Among people. Parmi, entre les hommes. In the church. Dans l'église. In the family. Dans les familles. In the couple. Dans le couple. So is the communication. De la même et la communication. As the blood. Comme le sang. Which only means. Lequel en ce moment aux hommes. If you don't have the blood, si tu n'as pas le sang, you do what? Qu'est-ce que tu fais? You die. Tu meurs. If there is no communication, si tu n'as pas la communication, that relationship, cette relation, will die. Mourra. Can somebody say amen? Tu peux dire amen? Do you know that there is no more friendship? Tu connais qu'il y a plus d'amitié? Measure how much now is calling you. How much is now calling you? Oh, même si comment ils appellent? Measure now. Mesure maintenant. Mesure maintenant. How much is calling you? Combien de times? Combien de fois il t'appelle? How many times now is texting you? Combien de fois il te texte? How many times when you are at a job is calling you to check on you? Comment est-ce que quand tu es au travail il t'appelle pour te checker? When there is no more communication. Quand il n'y a plus de communication. Relationship will do what? Cette relation verra. Will die. La relation mourra. If there is no blood. S'il n'y a pas le sang. You die. Tu meurs. No communication. Pas de communication. Friendship is going to die. L'amitié va mourir. No communication. Pas de communication. Marriage is going to die. Le couple va mourir. If you have the blood, si tu as le sang, infected, affecté, as a virus, par un virus, the body will be sick. Le corps sera malade. When there is a communication, quand il y a une communication, a communication, entre deux communications, but I tested you in the midnight, je t'ai testé à minuit. Oh, so. If there is not really communication, si il n'y a pas vraiment de communication, the body will be sick. Le corps sera malade. The relationship will be suffering. La relation sera souffrir because of lack of communication. Par manque de communication. When there is no communication, il n'y a pas de communication.
His understanding will start. La compréhension commença à se lever. Like in the Babel Tower. Comme dans le tour de Babel. Because there is not really real communication. Parce qu'il n'y a pas réellement de communication. For this body. Pour que ce corps to be well, être, soit bien. It's not just about a communication. C'est pas juste à propos d'une communication. If the communication is infected, c'est la communication qui est the body is infected, le corps est affecté, the body will be sick. Le corps sera malade. The communication, la communication which is not good, qui n'est pas bonne, will do that they will be sick. Et ça fera qu'il puisse être malade. But if you have a healthy blood, mais si tu as ce sang en bonne santé, what you going to be? Qu'est-ce qui arrivera? A good communication. C'est une bonne communication. A good relationship. Une bonne relation. A good relationship. Une bonne relation. A good friendship. Une bonne amitié. You want to measure if you still have his heart, her heart? Tu veux mesurer si tu as encore son cœur ou ça, son cœur? Measure how many times now he is calling you. Mesure combien de fois qu'il t'appelle. How many times now he is letting you know what he wants to do? Combien de fois before? Qu'il te fait connaître ce qu'il va faire comme il le faisait auparavant. Can somebody say amen? Amen. Healthy blood. Le sang en santé, healthy communication, bonne communication, healthy relationship, et une relation en bonne santé, healthy friendship, une relation en bonne santé. Et ça va dire amen. Amen. Is it clear? C'est clair. So you have to understand. Tu dois comprendre. As communication, comme la communication, is good, est bon, you will hold your friendship. Tu tiendras ton amitié. That's why when you get married. C'est quand tu te maries. That's why you're in a relationship. Pourquoi tu es en relation? You have to make sure that there is communication. Tu dois sûr qu'il y a la communication. There is communication. Il y a la communication. And I want to tell somebody. Et je veux dire à une personne. If you have a fiancé. Tu as un fiancé. If you have a fiancé, male or female. Oh, tu as un fiancé. Who is overseas? Ou qui est à l'étranger? In Europe. En Europe. In the South America. En Amérique du Sud. Or in the United States. En autre état. Or in Africa. Ou en Afrique. Please, keep. The life of communication. Before you get surprised. Avant que tu ne sois surpris. Let me repeat what I say. If you have a fiancé, si tu as une fiancée, overseas, à l'étranger, keep communication. Garde la communication. Open. Open. Ah, garde la communication. Otherwise, autrement, you are going to be surprised. Tu vas être surpris. Because somebody will sneak. Parce and take your communication. Prenez la communication. The one he she will be talking more will attract him here. La personne ou l'homme qui parlera plus l'attirera plus. If you are trying to do the business. Si tu veux faire une affaire. With somebody. Avec une personne. Trying to do the business. Et c'est une affaire. Make sure you keep communication. Sûr de la communication. About the deals. À propos de l'affaire. About the prices. À propos du prix. About what to be done. Aussi c'est l'affaire. Because if there is no communication. Il n'y a pas la communication. He will say, Monique, you yeah. Give me five. On dit que tu vas donner 5. This is $15. Et ça c'est $15. It's a no, you should give me $20. Tu vas donner $10. It's a no, you non. Give me 5. Tu vas donner 5. 5 minutes by my phone, it's 20. C'est pas. It's a no, it's not no. 4, it's 20. C'est pas 4, c'est 20. Do you see that? Est-ce que tu comprends cela? Because if that you give me not, if I want to tell me $3. Ah, je crois que tu as dit que $3. Yeah, because we are in the church. Parce qu'on est en église. So in the church, I thought you give me $3. À l'église, je pense que tu as donné $3. Because they were not communicating. Parce qu'il n'y a pas eu la communication. Can somebody say amen? Amen. Let's read the word of God. On lit la parole de Dieu. Let me stand up. Les bons nous suivent. John chapter 2. Jean 2. 19 to 21. 19 à 21. Listen what the Bible says. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Jesus answered and said to them. Jésus leur dit. Destroy this temple. Détruisez ce temple. And in 3 days. Et dans 3 jours. I will raise it up. Je le relèverai. Then the Jews said. Et les Juifs ont dit. It has taken 46 years to build this temple. Ça a pris 46 années pour bâtir ce temple. And will you raise it up in 3 days? Lèveras tout cela en 3 jours? Listen. But he was speaking of the temple of his. Et il parlait de temple de son corps. Amen, amen. Amen. Did you get that? T'as compris cela? Merci. Mais non, mettez-vous. Now, give me your attention. Donne-moi ton attention. Jesus said, Jésus a dit, destroy this temple. Détruis ce temple. I will rebuild it. Et je le relèverai. In 3 days. Dans 3 jours. The Pharisees they say. Les Pharisiens ont dit. What? Quoi? It took us 46 years. Ça nous a pris 46 années to build this temple. Pour construire ce temple. And you said, et toi tu dis, you will rebuild it. Tu vas le relever. In 3 days. En 3 jours. But the Bible says, la Bible déclare, they did not understand. Ils n'ont pas compris. He was talking. Il parlait.
About à propos the temple of what? Le temple de quoi? De son corps. Amen. Amen. Well, give me your attention. Demande ton attention. Because the Bible said, la Bible déclare, the one who has a ear to hear, celui qui a les oreilles pour écouter, let him do what? Fasse quoi? Let him hear. Il écoute. Let the one, let everyone who has ear, celui qui a les oreilles, to hear, do what? Écouter. Tu fais quoi? Hear. Écoute. Because you do not understand it. Parce que tu n'as pas compris. Jesus said this. Jésus a dit ceci. There are people, il y a le peuple, they don't have ear, qui n'ont pas les oreilles, to hear, écouter. There are other people. Et d'autres personnes. They have hear. Ils ont les oreilles. But they don't want to hear. Ils ne veulent pas écouter. Some they don't have it. D'autres n'ont pas. Some they have it. D'autres ont. But they don't want to hear. Ils ne veulent pas écouter. Some they have it. D'autres ont. They can hear. I don't know where you are today. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Because sometimes we say in Ghana, I don't hear. Because it doesn't have it here to hear. That's why I don't get it. That's why I don't get it. That's why I don't get it. You put an accent to make it in English. Put an accent to make it in English. Amen, amen. Amen. Is it clear? C'est clair? Some people they have a hear. D'autres ont les oreilles. But not here to hear. Mais pas pour écouter. But some of them hear. D'autres ont les oreilles. Hear. If you give an advice to somebody who don't have ear to hear, will not hear you. Le conseil que donne la parole pour écouter, il ne écoutera pas. Only the one here to hear. Ceux qui ont les oreilles pour écouter, ils écouteront. But I want you to have here to hear this morning. Et les oreilles pour écouter au matin. Listen to me. Écoutez-moi. Jesus said, Jésus a dit. Destroy this temple. Et tout ce temple. And I will rebuild it. Et je le rénoverai. In 3 days. En 3 jours. Listen. Ils ont dit. 46 years. 46 années. To build a temple. Pour construire le temple. And you say, toi tu dis, tu dis. 3 days. 3 jours. What kind of company will you use? Quelles sont les compagnies que tu voudras tuer? What kind of spirit will you use? Quelles sont les spirits que tu voudras tuer? What kind of material will you use? And you say 3 days. Six années, tu dis 3 jours. Listen to me. Écoutez-moi. Not just. Passez-moi. Not just because you heard what I say. Passez-moi ce que je dis. Mais you understand what I say. Mais comprends ce que j'ai dit. Non, non. Que tu as compris ce que je dis. Comment can we give you attention? Did they hear what Jesus said? C'est ce que le Christ a dit. Did they hear? Ils ont écouté cela. Yes, they did. Oui, ils ont écouté. But let me ask you. Did they understand what he said? Ils ont écouté ce qu'il avait dit. No. Non. Not just because you heard what I said. Ils ont entendu ce que j'ai dit. It means you understood what I said. Ça signifie pas que tu as compris ce que j'ai dit. You can hear what I said. Tu peux comprendre ce que j'ai dit. But you didn't understand what I said. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Communication is not hearing what I say. C'est pas écouter ce que j'ai dit. But understanding what I mean by what I say. C'est pas comprendre ce que j'ai dit. If you hear what he said, si tu écoutes ce qu'il a dit, but not understand what he said, pas comprendre ce qu'il a dit, you will respond to what you understood. Tu comprends ce que tu as compris. But not on what he meant, what he said, what he said. Pas ce qu'il a signifié, quoi, il a dit ce qu'il a dit. You can hear what I say. C'est ce que je dis. But you did not understand what I said. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Many people, beaucoup des hommes, they can hear what somebody said. Beaucoup de personnes a dit. They give it their own meaning. Ils donnent cela leur propre sens. What's not the meaning? Ce qui n'est pas le sens. We all listen to the word of God. Nous écoutons la parole de Dieu. But we don't understand the same way. Nous ne comprenons pas de la même manière. In the marriage. Dans le mariage. In the marriage. Dans le mariage. It is really important for you. C'est vraiment important pour toi. That's only to hear what the other person says. Pas ce que l'autre personne a dit. But understand what he means by what he says. C'est ce qu'il signifie, ce qu'il veut dire. Communication. La communication. Many trouble in the marriage. Beaucoup de problèmes dans le mariage. Many trouble in the relationship. Beaucoup de les relations. Because we hear. Parce que nous écoutons. But we did not understand. Nous n'avons pas compris. What the other person says. C'est ce que l'autre personne a dit. If you have to keep relationship. Est-ce que tu as dit la relation? You have to watch the quality of communication. Garder la qualité de la communication. Communication. La communication. Communication. La communication. Many relationship. Beaucoup de relations. Many problems in the church. Beaucoup de problèmes dans l'église. Can be destroyed by an infected communication. Peut être détruit par une communication qui est affectée. Who is with me? Qui est avec moi? You can hear what I said. Tu peux écouter ce que je dis. But not understand what I said. Mais pas comprendre ce que j'ai dit. The real problem. Prière, if you give in to what I said, si tu donnes ce que j'entends de dire, your own meaning, ton propre sens, not what I meant, ce que je veux signifier, that's how the word of God is. C'est comme la parole de Dieu est. We hear all of us. Tous nous écoutons, but we don't get grasp the same. Mais nous ne saisissons pas de la même manière. Communication. La communication. You need to understand.
understand, tu dois comprendre, not just to hear, pas seulement écouter what I said, ce que j'ai dit. They heard, ils ont écouté what he said, ce qu'il a dit, but they did not understand, mais ils n'ont pas compris cela, what he meant, ce qu'il voulait signifier. C'est vraiment une personne. If you are giving to what he said, your own name, si tu as dit ce qu'il a dit, ton propre sens, when he will hear what you said, quand il écoutera ce qu'il a dit, tu as dit, it may hurt him more. Ça pourrait le faire mal en that's plus. Not what I meant. C'est pas ce que je vous dis. No, it changed everything. Il a tout changé. No, that's what he understood. Non, c'est ce qu'il a compris. But that's not what you meant. C'est pas ce que toi tu voulais dire. In the relationship, dans la relation, le mariage, many times, beaucoup de fois, misunderstanding, l'incompréhension, because of the communication, à cause de la communication. Communication. La communication. That's about you need to go to your une personne, tu dois croître dans la tête de communication. That's une personne, tu dois croître dans la tête de communication. To keep the relationship. Pour garder la relation. You have to keep communication. Tu dois garder la communication. Amen. Amen. That's why if you take what I said. Alors, tu penses ce que je dis? Out of the context. Au-delà du contexte. It becomes a pretext. Ça devient un prétexte. So you give it your own meaning. Parce que tu donnes cela à ton propre that's sens. My meaning. Yeah. C'est pas mon that's sens. What I meant. Parce que je le dis. That's what we do with God. Parce que nous donnons la parole de Dieu. Now give me your attention, please. Please. Give me your attention. Why they did not understand what Jesus said? Pourquoi n'ont-ils pas compris ce que Christ avait dit? Give me your attention. Donne-moi attention. Why they did not understand what Jesus said? Ils n'ont pas compris ce que Christ avait dit. Listen to the why. Écoutez. Le pourquoi. Pourquoi? Because of their preconception of the temple. À cause de la préconception qu'ils avaient du temple. Then you repeat what I said. Mais ça, why they did not understand what Jesus said? Ils pas compris ce que Christ avait dit. Because of their preconception of the temple. À cause de la préconception de la, du temple. For them. Pour eux. The temple. Le temple. Means. Signifie. The building. Le bâtiment. Not the body. Pas le corps. Do you see that? Tu as vu cela? Why they didn't understand? Pourquoi ils n'ont pas compris? Because in their knowledge, parce que dans leur connaissance, the temple, le temple, cannot be a body. Peut pas être un corps. The temple is the building. Le temple c'est un bâtiment. It took us 46 to build. Ça a pris 6 ans pour bâtir cela. So their preconception, leur préconception, was the problem. Était le problème. When you say, when you hear pre, quand tu écoutes pre, in the Latin, en latin, means before. C'est-à-dire avant. Before. Avant. Before that. Avant cela. Before that time. Avant ce temps. Pre-school. Avant l'école. Before the school. Avant l'école. Before you pump the gas, pre-pay. Avant de pomper pay le gaz. Before you pump. Before. Pay avant. That's what avant de payer in Latin. Pomper le gaz. C'est ce que signifie. Preconception. La préconception. Of the temple. Du temple. Please give your attention. Donne-moi ton attention. Papa Jules. In their preconception, dans leur préconception, the temple is the building, le temple c'est le bâtiment, not the body, pas le corps. So, in their preconception, dans leur préconception, the knowledge of the temple before Jesus la said connaissance du temple avant que Christ puisse dire cela, was the problem. C'était le problème. Give me your attention. Prends ton attention. Your preconception, ta préconception, is like a filter. Est comme un filtre. Let me take this. You see, this is a filter. Vous avez vu cela? C'est un filtre. We use it for coffee. Nous usons pour le café. When you put in a coffee machine, tu mets ça dans la machine de café. It will make coffee. Ça fera sortir du café. Only whatever is needed will pass. Seulement ce qu'on a besoin sortira de cela. And all the rest. Et le reste? That's the is not what is heavy. All the rest. Et le reste? Give me some paper. Give up. I like giving you back. You put there. Take this. All right. Okay. You put in the coffee machine. Tu mets ça dans la machine de café, le café. So his brewing is making coffee, brewing. Et ça retourne le coffee. So in the end, what we will do? Et à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? We drink what? Nous vont s'éviter. What we do on the rest? Et le reste qu'on présente. We throw it away. Oh, à la poubelle. Your preconception, ta préconception, is like a filter. C'est comme un filtre en toi. Everything you hear, tout ce que tu écoutes, everything you see, tout ce que tu vois, you filter it through your preconception. Tu filtres cela à partir de ton préconception. Anything, any new truth, toute nouvelle que tu écoutes, new thing that you don't know, une chose que tu ne connais pas, you throw it away. Tu jettes cela. Because it doesn't pass your preconception. Parce que ça passe pas dans ta préconception. Amen. Am I clear? Est-ce que je suis clair? Your preconception, ta préconception, is your filter. C'est ton filtre.
You hear things. Tu écoutes des choses. But you filter it through your preconception. Et tu filtres cela au travers de ta préconception. The knowledge you had. La connaissance que tu as faite. Before you get married. Avant d'être marié. Will determine how you will treat him. Déterminera comment tu le traiteras. The preconception. La préconception. The conception of the wife. La conception de la femme. Will determine how you will treat her. Déterminera comment toi tu la traiteras. You cannot treat people beyond your preconception how to deal with people. Au-delà de ta préconception. You cannot. Tu peux pas. Unless you receive a new revelation. Quand tu reçois une nouvelle révélation. Otherwise. Autrement. That's how you're going to treat people. La manière dont tu traiteras les gens. Because your preconception. Ta préconception. Is the problem. Est le problème. Your preconception is made of what? Ta préconception est faite de quoi? Your preconception, la préconception is made of your past knowledge. Est faite de la connaissance du passé. That you know of the thing. C'est que tu connais de la chose. Am I clear? Est-ce que je suis clair? Your preconception is made of what? Ta préconception est faite de quoi? Your preconception, la préconception is made of your past experience. Est composée de ton passé, l'expérience passée. Your preconception is made of what? Ta préconception est faite de quoi? It's made of your past conclusion of the matter. C'est fait de conclusion finale du problème. Oh, let me give you an example. Laisse-moi donner un exemple. Let me give you an example. Laisse-moi donner un exemple. I'm driving. Je suis en conduite. I pass the red light. Je passe le feu rouge. The police officer calls me. La police m'arrête. What do I am expecting? Qu'est-ce que je raconte? A ticket. I know it. Je connais cela. The second time. Deuxième fois. Days before. Or after. Ou après. I'm passing the red light. Je passe encore le feu rouge. The police officer calls me. La police m'arrête. What am I expecting? Qu'est-ce que je peux attendre encore? A ticket. Un autre jour, I'm speeding. Je suis en train de. Instead of 45, c'est 47. I'm going to 70. Je fais 70. La police m'arrête encore. What am I expecting? Je peux attendre. A ticket. Le ticket. I know already. Je connais. When you pass the red light. Quand tu passes le feu rouge. When you speed it. Quand tu. What do you get? Qu'est-ce que tu attends? A ticket. Le ticket. So that day. Ce jour-là. 45. 46. I'm in the 70. Je suis au 70. I pass the red. Je passe le feu. 70. 70. The police of the world. La police vient. Answer me. What am I expecting? Qu'est-ce que je m'attends pour? The tickets pour two things. Pour deux choses. Red light. Le feu rouge. Et pour l'avant. That's what I'm expecting. Because I know in my knowledge. Je connais la connaissance. I know it already. Je connais cela déjà. And the police will come to me. Quand la police vient vers moi. Hi sir. Et bonjour monsieur. Hi. How you doing? Bonjour. Everything's fine. Tout va bien. You know what I say everything, but you know what you will be saying. Tu sais quoi je vais dire? Sorry for what I did. Je me excuse, je fais. You want to say beyond what he asked you. Il a oublié ce qu'il a demandé. Because you know already. Tu connais déjà. If you can give me at least 9 points instead of 15. 9 points instead of 15. Because you know already. Parce que tu connais déjà. You're fine. Tu vois bien. Où est-ce que tu vas? Oh, I'm going to the airport. I have to catch a flight. Je vais prendre un airport. Okay, sir. Have a good trip. Drop slow, may God bless you. Fais un voyage, que je bénisse et va en sécurité. You will be astonished. Je serai étonné. Vous venez de me sauver, bien plus ma salle. Une femme sans son. Yes. You will be astonished. Tu vas étonné. There is some good cops. Il y a ce bon police. Why? Pourquoi? Because in your pre-knowledge. Parce que la connaissance avant qu'il a vu jamais. Ticket is coming to me. Le ticket devait être présent. You will never anything come beyond what you expected. Quand est-ce que tu viens, est-ce que tu attendais? It's inconceivable. C'est inconcevable. Do you understand what I'm saying? Est-ce que tu l'as dit? So, you cannot underestimate your preconception. Ne pas sous-estimer ta préconception. Because your preconception. Parce que la préconception. Determine how you deal with the situation. Je t'ai dit comment tu fais très avec la situation. How you react in the situation. Comment je réagis dans la situation. That's why I usually say this. Pourquoi je te dis? If you come out to a relationship. Si tu sors d'une relation. Divorce. Le divorce. They drop you. On t'a laissé. Your wife dropped you. La femme t'a laissé. Your husband dropped you. Ton mari t'a abandonné. No rush to go in a relationship. Ne te presse pas pour une relation. Don't rush to go. Ne te presse pas. Why? Pourquoi? Because you need the healing first. Parce que tu as besoin d'une guérison auparavant. Because if you don't heal. Si tu ne veux pas guérir. You jump in a relationship. Tu veux une relation. You may treat your husband, your wife in a harsh way. Tu pourras traiter ton mari, ta femme, durement. In your preconception. Parce que la préconception. You cannot trust. Tu ne peux pas avoir confiance de lui. You cannot trust a woman. Tu vas croire que vous suivez pas. Les femmes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Si tu sors d'une relation. Don't jump to a relationship. Ne saute pas notre relation. Don't jump. You need a time of healing. Tu as besoin de temps pour la guérison. Because you can have the best one. Parce que tu vas être le meilleur femme. The best husband. Meilleur homme. You will treat him in the light of the first one. Tu le traiteras à la lumière de. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. So you cannot underestimate.
esprit comme ça, son sort. Because in return, parce que à la fin, il n'a pas les cheveux. Vraiment, attention. Do you see what I'm saying? Est-ce que je dis? Now let me ask you a question. Laisse-moi poser une question. What if your past conclusion was wrong? Et si qu'est-ce qui arrive si ton conclusion passée était mauvaise? What if your past experience was wrong? Si ton expérience passée était mauvaise, qu'est-ce qui arriverait? What will happen? Qu'est-ce qui pourrait arriver? You will be reacting wrong all the time. Tu réagiras chaque fois différemment ou you will be treating people wrong all the time. Tu traiteras les gens de mauvaise manière chaque fois. You cannot respond well. Tu vas répondre très bien. If your filter is wrong, si ton filtre est mauvais. That's right. You cannot respond properly. Tu vas répondre proprement. If your past, si ton passé, conclusion was wrong, ton conclusion passée était mauvaise. Do not underestimate the conclusion you made yesterday. Ne sous-estime pas les conclusions que tu as fait hier. It affects how you react in the present and the future. Comment tu réagis dans le présent et dans le futur? That's why I want to tell somebody. Comme je dis à une personne. We will not react the same way in a particular situation. Nous ne réagirons pas de la même manière, d'une manière particulière. Because Eunice's background is not Mama Jackie's background. Parce que le passé de Eunice n'est pas Mama Jackie's background. She will react differently. Elle réagira différemment. From the light of her past experience. À la lumière de l'expérience passée. Then Mama Jackie. Que Mama Jackie. We cannot react the same way in the experience. Nous ne pouvons pas de la même manière dans les problèmes. Because we didn't make the same conclusion. Parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes conclusions. We didn't come from the same background. Nous sommes venus du même passé. We didn't come from the same relationship. Nous sommes venus des mêmes relations. But you should not underestimate. Mais tu ne devrais pas sous-estimer. That's why when we come in the house of God. Pourquoi nous venons de la maison éternelle? God has to change many things. Dieu a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Can somebody say amen? Amen. Now what should I do? Qu'est-ce que je devrais faire? What should I do? Qu'est-ce que je devrais faire? Let's read in James chapter 1. Lisons en Jean. James. Jacques 1. Verse 19. Listen to what? Verset 19. Who is with me so far? Qui est avec moi? Amen. Please. Who is with me so far? Qui est avec moi? Okay. Who got lost somewhere? Qui est perdu quelque part? So, thanks to God. James chapter 1:19. Jacques 1, 19. Listen to what the Bible says. Listen to what the Bible declares. So then, my beloved brethren, sachez bien aimés, let every man be quick to hear. Et toutes les choses être prompt à écouter. Say with me, quick to hear. Dis prompt à écouter. Please say with me, quick to hear. Dis prompt à écouter. And slow to speak. Et lent à parler. Slow to anger. Et lent à se mettre en colère. Amen. Amen. Now give me your attention. Prête-moi ton attention. Please give me attention. S'il te plaît, prête-moi ton attention. How can we grow in our communication skills? Comment est-ce qu'on croit dans nos communications, dans nos communications? The word of God gives us the answer. La parole nous donne la réponse. How can we grow in our communication skills? Comment est-ce qu'on croit dans nos techniques de communication? The word of God gives us. La parole de Dieu nous donne the answer. La réponse. James said this. Jacques a dit ceci. Bene, give me your attention. The word of God said this. La parole dit ceci. Let every man que tout homme be quick to do what? Soit prompt à faire quoi? To hear. À écouter. Slow to do what? Lent à faire quoi? À parler. Regardez ici. If we have to grow in our communication skills, si on croit dans notre tête de communication, in the natural, dans le naturel, God, Dieu, give us, vous a donné, two ears, deux oreilles, one mouth, une bouche, in the natural, dans le naturel. It means. Cela signifie. Use it as God gave it. Tu seras comme Dieu te l'a donné. That's the first thing. C'est la première chose à faire. What it means? Qu'est-ce que cela signifie? Speak one time. Parle une fois. Hear once. Écoute deux fois. Everything will be fine. You change everything. Parce que you speak twice, you listen tu once. Deux fois, tu écoutes une fois. You speak more than you should. Tu parles plus que tu devrais. Because you did not hear well. Parce que tu n'as pas très bien compris. Which pastor? You wanna be well? Tu veux être bien? Listen twice. Écoute deux fois. Speak once. Parle une fois. Amen. It's easy. C'est facile. Many people we have a problem in the communication. Beaucoup de gens ont des problèmes de communication. Because we don't want to use the God the way God gave us. Parce qu'on veut utiliser la manière dont Dieu nous a donné. God did not make a mistake. Tu vas faire une erreur. If God wanted to speak too much. Si Dieu veut parler beaucoup. If we give us two mouths. Il faut donner deux bouches. Amen. Écoute. Il pourrait. But God wants us to be slow to speak. Il faut être prompt à être seul, long à parler. But quick to
à écouter. You want to have a good communication. Tu veux une bonne communication. Listen more than you speak. Écoute plus que tu parles. Say with me, listen more than you speak. Écoute plus que tu peux parler. What is your problem? Quel est ton problème? You speak more than you listen. Tu parles plus que ce que tu écoutes. That's the problem. C'est le problème. What God said? Qu'est-ce que Dieu a dit? Be quick to do what? Sois prompt à écouter. Slow to do what? Long à parler. You change. Tu as changé. Slow to hear. Tu es prompt à écouter et vite à parler. You know some people, you didn't even finish. He gives you already answer. You didn't even finish to speak. Tu n'as pas fini de parler. He gives you the answer. Tu donnes la réponse déjà. You didn't even finish to speak. Tu n'as pas fini même de parler. He gives you the answer. Tu donnes la réponse déjà. Yeah, before even you finish. Avant de finir de parler. He always gave an answer. Tu donnes la réponse déjà. How can you give me an answer? I didn't even finish. Tu n'as pas fini de parler. You know that part. Et deux oreilles. C'est ça, si tu as un homme qui parle beaucoup, c'est compliqué. Et tu as un homme qui parle beaucoup, c'est très compliqué. One half. Une bouche. Two ears. Deux oreilles. How many times do I have to speak? Comment je parle? Once. Une fois. How many times do I have to hear? Comment je parle? Deux fois. Can you keep that rule? Est-ce que tu connais cette règle? C'est comme un principe. God did not make a mistake. Dieu n'a pas fait une erreur. You want to have a good communication. Tu veux avoir une bonne communication. What God said. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quick to do what? Prompte. Prompte à écouter et lent à parler. What should I do? Que devrais-je faire? Do what God said. Fais ce que Dieu a dit. Do that what God said. Fais ce que Dieu a dit. Am I clear? Est-ce que je suis clair? Please, am I clear? Suis-je clair? Am I clear? Suis-je clair? Yes. So you want to broaden your communication? Tu veux? That's the first thing. C'est la première chose que tu dois faire. Listen more, God. Speak. Écoute plus slow. Dieu et parle. Listen more. Non. Écoute plus et parle. Don't change. Ne change pas. Don't be quick to speak. Et sois pas vite à parler, prompt à parler. Sois prompt à écouter. Listen more to do what? Et long. The first one is clear. Je prends ce moment et je prends un exemple. Marc, start speaking. Ouais, commence à parler. Commence à parler. Listen. Écoutez. When he is using his mouth. Quand il utilise sa bouche. To have communication. What should she use? Qu'est-ce qu'il devrait utiliser? Elle peut utiliser ses oreilles. Do you see that? Vous avez vu cela? Do you see that? Vous avez vu cela? So. You start responding. Comment when she start using quand elle commence à répondre, what should he use? Qu'est-ce qu'il devrait utiliser? Ses oreilles. Do you see communication? C'est la communication. You cannot both use the same tool. On ne peut pas le même utiliser les mêmes outils. It will become argument. Ça sera le même argument. Discussion. You start speaking. Commence à parler. Everybody go. Speak. That's become argument.
ça te commence à donner la discussion. Because you both are using the same tool. Parce que tu as pu s'utiliser. Amen. That's the communication. C'est that's la communication. C'est ça, c'est la discussion. That's argument. C'est la discussion. To have communication. Avoir la communication. When one is using his mouth, une personne utilise sa bouche. What should you use? Qu'elle devrait utiliser moi. Yeah. Les oreilles. Quick to listen. Prompte à écouter. So when she will use quand elle utilisera her mouth, sa bouche, what should you to use? Qu'est-ce que il devrait utiliser comme outil? Les oreilles. Écoutez-moi. It may her concern or her concern son concern, son problème may not really be your concern. Ça peut être son but problème. Because she expresses it, parce qu'elle exprime cela, give attention. Prête attention. Don't be unconcerned on what concerns your friend or your friendship. Ne sois pas du genre inconcerné à ce qui concerne ton ami. Amen. Amen. Do not be unconcerned. Ne sois pas inconcerné dans une relation. In what balance your c'est friend, dérange ton ami, ton mari, ta femme. You have to be concerned. Tu dois être, prendre part à cela aussi. That's why. Voilà do not just listen to him or to her with your ears. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas avec les oreilles seulement. Listen with your heart. Mais écoute avec le cœur. Amen. Am I clear? Amen. I wanted now to talk about the matter. I don't have time. Je parle aussi. Je parle de quoi? We talk tonight. On parlera le soir. Can we talk? You know, tomorrow to wake up early. So we talk in the weekend. On parlera. We are after marriage. Oui, on parlera après. You never talk. Tu n'as jamais parlé. Avoiding communication. Éviter la communication. Is not solving the problem. Ça ne résout pas le problème. But it is storage. Ça veut dire garder. And you will find that in your house you have many storage and solve. Tu verras dans ton mari, tu as un problème. Que tu vas garder. Ne fouille pas le problème. Fais pas ce problème. Don't run. Ne fouille pas. So if you have to have communication. Tu vas faire des communications. Learn. Apprends. To use your ears. Utiliser tes oreilles. When the other one is doing what? Quand l'autre fait quoi? Speaking. Il est en train de parler. Do not use the same tool. N'utilise pas les mêmes outils au même moment. If you both are using your mouth, vous deux utilisez les mêmes bouches au même moment. It will become. Ça deviendra. Argument. Une discussion. That's not communication. C'est plus la communication. Is it clear? Est-ce que c'est clair? So the third one, what to do? Le troisième, quoi faire? Look here. Écoute ce récit. Look at what not to do. Regarde ce que tu peux faire. Si. Parle. Now, ask her what you have to do. What you have to say. Please follow. Demande-la ce que tu vas te dire. What do you have to say? Ask her what do you have to say in regard of what I said. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas dire? Ce que je vais te dire. Is for. Okay. You go. Thank you. Let me use it. Laisse-moi now, you speak to me. Parle-moi. Et hey, pose-moi la question, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu as dit? Au lieu d'en parler, au lieu de dire. Il se porte, hein? Il a parlé moi. Did I respond to the... Qu'est-ce que je fais? Silence. Je dis non. Sometimes. Souvent, your attitude, ton attitude is worse than your answer. Et plus que ta réponse. Sometimes, souvent, say something. I want to know what you dis quelque chose. Je veux savoir ce qui est à l'intérieur. Or your attitude is worse. Et pire. Speak. Am I clear? Est-ce que c'est? Now listen to me. Écoutez-moi. When you put silence, quand tu as silence, you break what? Tu brises quoi? La communication. Don't get in silence. Ne sois pas silent. Don't avoid people. N'évite pas les gens. Don't isolate yourself. Ne t'isole pas toi-même. Have mature communication. Et une communication mature. We may not agree. On peut pas s'accorder. But we can have communication. Mais on peut avoir une communication. I show you my position. Je te demande ma position. Am I clear? Est-ce que je suis clair? Please, give me your attention. Comment tu as attention? When the other person shows you his concern, quand l'autre personne te répond son concern, ton problème, peut-être que Fabrice est venu dans ta place. Oui, juste parce que Fabrice est venu. You have to be in his place. Give me your attention. Prends attention. Look. Regardez. When
He speaks. Quand il parle, he speaks. Il parle. Il parle. You are getting good to speak. Now look at you. Look at you. You are listening. Allez, j'ai pas répondu. Is it communication? C'est la communication? No. No. You know what is this? Vous savez ce que c'est? You know how to call it? C'est comment on appelle cela? Information. 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 You know when you are on TV? Quand tu es à la télé? Looking at information. Regarde l'information. Do you speak to the journalist? Est-ce que tu parles au journaliste? No. No. You just assist. Juste tu assistes. So he's the one speaking. Parce que c'est lui qui te parle. In the speech. Dans le discours. Please give me your attention. Please, donne-moi ton attention. Husband and wife. Mari et femme. You should have communication. Vous devriez avoir la communication. Not information. Pas les informations. Amen. What is the difference? Quelle est la différence? In this communication. Dans la communication. I am a part of the decision. Je suis part de la décision. In the process. Dans le processus. I am a part of it. Je suis part de cela aussi. What is information? Qu'est-ce que l'information? Look at the information. Quelle information? When I say money, I mean money. I'm just giving an example. Donne exemple. Look at information. Regarde l'information. They pay us today. On va payer aujourd'hui. I went to the mall. You were wedding today. I went to the wedding. I bought my dress for 50. My robe for the wedding. So this is the rest of the money. It's 125 cents for the bill you took. That's information. C'est une information. C'est pas une communication. You informing me what you did. Tu m'informes que tu as fait. What should I do? Qui devrais faire? You did already. Tu as fait, c'est la. That's information. C'est une information. That's not communication. C'est une communication. Yes. Many married people. Beaucoup de mariés. They make information. Donnent des informations. They think they communicate. Ils pensent que they communicate. No. No. You informing me what you did. C'est so what should I change? Nous parlons, we agree, nous sommes d'accord, in the final.
Alors, au final, your way of talking, et la manière de te parler, you te parler, think you communicate, tu penses que tu communiques, but you never communicate. Et tu n'as jamais communiqué avec les hommes. You always inform. Tu as toujours informé. That's why even in the ministry, voilà pourquoi dans le ministère, when you're working with the team, quand tu travailles une équipe, have a communication. Et la communication. When are we going to have the rehearsals? Où est-ce qu'on va avoir la répétition? That's why. Voilà pourquoi. Listen to me. Écoutez-moi. If you want to have the real communication, tu veux une bonne communication. The last one. Le dernier. You have to answer these three questions. Tu dois répondre ces trois questions. What? Pourquoi? When? Quand? How? Comment? What do you want to say? Qu'est-ce que tu veux dire? When is the best time to say? Quel est le bon moment de faire? How do you want to express it? Comment est-ce que tu veux exprimer cela? Yes. Am I clear? Suis-je clair? What you want to say? Qu'est-ce que tu veux dire? Fix it before you start saying. Prépare ça avant de dire. Know what you want to say. Pas ce que tu veux dire. Know it. Oh, connais ce que tu veux dire. When is the best time you want to say? Quel est le bon moment pour dire ce que je veux dire? And how do you want to express it? Et comment est-ce que tu dois exprimer cela? Some people, d'autres personnes, they don't know what to say. Ils ne connaissent pas quoi dire. That's why they say beyond what they should. Voilà pourquoi ils disent au-delà de ce qu'ils devraient dire. When you give them the word to speak, quand ils ont la parole pour dire, parler. Because they don't know what to say. Parce qu'ils connaissent quoi dire. They speak beyond. Ils parlent au-delà. Solve the problem of what you want to say to your husband, to your wife, to your friend. Et ce que tu dis à ton ami, ton mari. If you solve the problem, what you want to say, tu veux dire, then answer the problem. Et réponds au problème. When is the best time? Quel est le bon moment? When is the best time to say what quel moment pour dire ce que je dois dire? Because sometimes, parce que souvent, you knew what to say. Tu connaissais quoi dire. But you put it the wrong time. Mais tu as dit cela au bon moment. Then the third question. La troisième chose. You solve the question. Tu as résolu le problème. How do I want to say it? Comment est-ce que je dois dire cela? The tone. Le ton. How do you want to say it? Comment tu dois dire cela? Some people. D'autres personnes. They know the what. Ils connaissent le quoi. And they neglect the how. Ils négligent comment dire le pourquoi. She is speaking to her husband. Elle parle à son mari. One of Sarah. Comme il parle à un domestique. Do you see that? How do you want to say it? Comment tu veux dire cela? Maybe what you wanted to say you knew was right. Peut-être ce que tu veux dire, tu connaissais cela, tu es bon. Maybe you knew the best time. Peut-être tu connaissais le bon moment pour dire cela. But you neglect the art. Tu as dit comment dire ce que tu connaissais. Your tone. Ton ton, ton attitude. Was not right. N'était pas bon. It is your husband. C'est ton mari. You should measure the tone. Tu dois mesurer le ton. Because the husband is the head of the parce que le mari est la tête de la femme. You see, what you said was good. Ce que tu as dit était bon. But it came that you giving us orders. Mais ça montre que c'est de sortre. That's why we neglect it. Voilà pourquoi nous avons négligé cela. The Bible says, "Let your word be seasoned with salt." Il déclare que ton les paroles doivent être assaisonnées de sel. But you didn't. You missed the salt. Mais tu as manqué le sel. What you want to say have 25%. Ce que tu as dit est 25%. The time to say that is 25%. Le temps de dire est 25%. But the tone et la tonalité 50% et 50%. Listen. Écoutez-moi. Je vais dire ça. Quel est le mal que je vais dire? Attends, les parties à toi. C'est pas ce que tu as dit. It is not what you say. C'est le ton que tu as dit. It is how you say. La chose en train de rapporter, tu as changé. You probably change the way of speaking. Look yourself. If he send his 100 to his family, if he send 100 to his family too, what is the part that say? No, that's not how you say it. C'est pas comme tu dis cela. You say this. Tu dis ceci. Tu n'as pas sa la bino, tu n'as pas 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 That's the reality. The communication. La communication. Communication. La communication. Keep your relationship. Gardera ta relation. But you have to grow in tu your skills. Tu dois croître dans les techniques, tactiques. You pretty much know what to say. Tu connais, tu connais ta façon de dire. Just work on the how to say. Juste travaille sur comment dire cela.
or what kind of when to say. You have to know the time when to say, when not to say. Comment dire et quoi ne pas dire. Learn to listen. Apprends à écouter. I can guarantee you. Je peux te garantir. You can never solve a problem in a marriage without communication. Tu peux résoudre un problème d'un homme sans la communication. It may be a small problem. Ça peut être un petit problème. But the lack of mais la manque de communication will make it great. Mais quand c'est la and you will call the third part to come. Et tu amèneras la troisième personne pour prendre. But the problem may be big. Le problème quoi? Peut-être grand. Talk about it. Mais on peut parler cela. You can solve et on peut résoudre cela. In your relationship. Dans tes relations. You want to keep your friends? Sois garder ton ami. Watch over the quality of your communication. Garde sur la qualité de la communication. You want to keep your best friend? Tu veux garder ton bon ami? You want to keep your husband, your wife? Ton, ta femme, ton mari? Watch over your communication skills. Garde sous les communications. And I can guarantee you. Je te garantis. It doesn't matter the biggest of the problem. Ça ne dépend pas de la grandeur du problème. Comment le problème est? If we can have communication. If we can understand ça, on peut comprendre. We will solve it. On résoudra cela. If we neglect it, si on néglige cela, we will be like in the Babel tower. On sera comme dans la tour de Babel. Lack of communication. Manque de communication. Lack of misunderstanding. Manque de compréhension. They depart from one another. Ils sont allés de l'autre côté. You will not keep a friend if there is no communication. Tu ne garderas pas un ami s'il n'y a pas de la communication. You will not keep your family, tu your garderas marriage, pas your husband, ta famille, your ton mari, if there is ta femme, no communication. Ton proche s'il n'y a pas de la communication. And today, et aujourd'hui, it was in my heart, c'est dans mon cœur, for us, pour nous, to know how we can thank you very much for watching this video. For your edification or more informations, we invite you to our website www.ecomchurch.com.